Alors, en direct de Terrebonne, on retrouve Kevin Crane des Marais. Kevin, vous êtes sur place parce qu'un pompier a été transporté à l'hôpital ce soir. Il a fait une chute grave durant une intervention. Oui, exactement. Les pompiers ont reçu un appel là, un peu avant 20 heures à cette adresse de la rue Chapelot à Terrebonne. Un appel de routine, Pierre-Olivier, pour un détecteur de fumée en fonction. Et un des pompiers dans la trentaine là, a monté l'échelle que vous voyez à l'écran. Une fois en haut, il a perdu pied et chuté au sol du deuxième étage. On voit encore son casque au sol et une partie de la rampe là, du balcon à côté. Il a été transporté dans un centre hospitalier de Montréal. En ce moment, il est dans un état stable, mais critique. Voici maintenant un témoin de la scène à qui j'ai parlé tantôt. Mais je l'ai vu glisser du deuxième étage. Et comment ça a réagi là, autour lorsqu'il s'est arrivé? Bien, c'était comme émouvant, là. Il vient de tomber, là. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a. Il va avoir un sentiment de panique sur place? Un petit peu, oui. C'est sûr que les pompiers, tous ses collègues sont arrivés et puis sont venus à son secours. La scène est protégée par la police de Terrebonne. Les gens que vous voyez à l'écran, oui, ce sont des policiers à gauche, mais les enquêteurs de la CNESST. Les pompiers ont quitté dans les dernières minutes. Pierre-Olivier, on me disait que l'équipe est évidemment ébranlée. Ah oui. Il n'y a rien de criminel, on m'a précisé, là, dans cet accident qui est survenu ici sur la rue Chapelot à Terrebonne. Bien, nos pensées accompagnent ce pompier, puis on lui souhaite évidemment le meilleur au cours des prochaines heures. Merci, Kevin. Au revoir.